Votre go est enfin arrivé à Dakar. Mais ça, c'est pour un prochain vlog. Aujourd'hui, je vous emmène dans mes dernières 24 heures à Paris. Entre rendez-vous beauté, sortie entre copines et dernière course. Oh. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. Là, vous me voyez comme ça, les filles, je suis éclatée. Il est 11h50. Je me suis couchée à 8h, s'il vous plaît. Parce que j'étais en train de faire ma valise. J'ai trouvé un billet hier pour après-demain. Donc, c'était vraiment le rush. Genre, ça fait vraiment une semaine que je veux vraiment partir. Que je suis là en train de chercher plein de billets et tout. Sauf que c'était des prix, mais pas possible. Des billets à 1450, 1500 et tout. Je me suis dit, purée. Et là, hier, par miracle, les billets ont baissé. À genre 1000 euros, j'ai dit allez, là c'est le moment de prendre. Tout le temps c'est comme ça. À chaque fois mes parents me disent, quand tu veux venir à Dakar, préviens-nous à l'avance qu'on s'organise sur les billets et tout. J'ai encore attendu genre une semaine avant pour dire oui, j'aimerais bien venir et tout. Ils m'ont dit, cette fois-ci là tu vas te débrouiller, en fait tu vas te débrouiller. Du coup voilà ce qui s'est passé. Donc heureusement j'ai trouvé mon billet, je suis trop contente. Je me voyais pas rester à Paris pendant tous les JO avec ce que je vois là, des travaux de partout, du monde de partout, des routes bloquées, les tickets de métro qui passent de 2 euros à 4 euros, et j'étais en mode laissez-moi juste rentrer à Dakar. Laissez-moi rentrer chez ma mère et chez mon père, s'il vous plaît. Quel est le programme de cette journée? Je vends mon iPhone, mon petit iPhone 13, avec lequel je m'avais vu très longtemps. Mais bon, je suis passée au 15. Ça fait 7 mois qu'il est dans mon placard, qu'il ne sert à rien. En plus, je vais à Dakar, donc je me suis dit, autant le vendre. Une fois qu'elle me l'a acheté, je ne vais pas vous mentir, je me rendors. On va aller faire une petite pédicure, parce que vraiment, là, mes ongles, mes pieds, c'est une catastrophe. Après, on va passer aux dernières courses. Aller à la pharmacie. Pas les gros préparatifs auxquels vous êtes habitués, parce que, bah, coiffure, je ne vais pas me coiffer ici alors que je vais à Dakar. Je me coifferai à Dakar. En plus, j'ai une copine qui est coiffeuse, donc je vais toujours dans son salon. Les cils, pareil, je vais pas les faire ici, je vais les faire à Dakar. En tous les cas, je vous prendrai là-bas en vlog et vous verrez mes préparatifs sur place. Elle est arrivée, je descends lui donner le téléphone et on se retrouve tout à l'heure. Tout est bon. Je vais dormir. Des bisous, à tout à l'heure. Que j'ai accumulé dans mon corps, les filles. Je vais même pas vous expliquer. J'ai dit oui, je vais faire une petite sieste. Jusqu'à 15h, 16h. Il est 17h, s'il vous plaît. J'ai pas réussi à me réveiller. Du coup, j'ai pas réussi à faire mes courses. Je suis KO, mais Dieu merci, il me reste encore demain. Là, je suis en train de m'apprêter pour aller voir mes copines. Farida, elle est déjà partie depuis longtemps, pour celles qui la suivent, vous savez. Là, il y a ma copine Sally qui est encore là. Suki, elle part le même jour que moi. On laisse Sally ici, malheureusement. Donc, je vais passer la nuit avec elle. Une petite soirée pyjama entre filles. Histoire de passer une dernière soirée ensemble avant que je parte. Avant ça, bien évidemment, on va prendre un bubble tea, parce que c'est notre routine. Du coup, voilà. À part Sally ici, est-ce que là, j'ai pas un teint de la gloire, en fait? Maintenant, j'utilise des produits à base de vitamine C. J'ai inclus la vitamine C dans mon corps. Et franchement, je trouve que là, j'ai une trop belle peau. Là, j'ai rien fait. On va faire ma petite routine ensemble, comme ça, vous allez voir. Je vais vous présenter, genre, les produits que j'utilise et tout. La team TikTok me demande tout le temps, mais c'est vous les favoris, en fait. C'est vous les chouchous, c'est à vous qu'on donne les secrets. C'est parti. On va mettre la lumière, c'est mieux. Je vais vous partager ma nouvelle skincare routine, mais vraiment full routine. Là, j'ai rien, que ce soit sur mon corps, sur mon visage, j'ai rien du tout. On va commencer par le visage. Je commence toujours par de la vitamine C. Perso, j'ai pris ce sérum-là, la vitamine C et à l'astaxanthine. Bon, moi je voulais juste un truc à la vitamine C. En fait, la vitamine C, c'est pas qu'elle vous claircit, elle vous claircit pas, mais elle vous rend éclatante. Voilà. Ensuite, une fois que ça a bien pénétré, je vais venir utiliser ma crème à base d'acide hyaluronique. C'est la Neutrogena Hydrogel Hydro Boost. Elle est trop bien. Je l'ai découverte au Brésil et depuis, je l'ai pas changée. J'espérais vraiment la retrouver en France et effectivement, elle était en France. Ma mère m'a toujours dit, quand tu fais ta skincare, genre visage, faut des cendres dans le cou. La crème solaire. Perso, d'habitude, j'utilise la Roche-Posay, mais j'ai reçu celle-là de chez Paula's Choice. Du coup, j'ai voulu l'essayer. Et franchement, pour l'instant, elle est très bien. Elle fait pas de résidus. Elle est très, très bien. Genre, on a déjà. Et justement, elle est censée éclairer les taches aussi. Et elle est aussi à base de vitamine C. Ma routine, elle est essentiellement à base de vitamine C. Parce que c'est vraiment ça qui va venir. Genre, vous avez de l'éclat. Vous allez voir tous mes produits quasiment sont à base de vitamine C ou ont de la vitamine C dedans. Pour le visage. C'est tout. Maintenant, on va passer au corps. Genre, vraiment, c'est un truc que j'avais délaissé. Avant, je me douchais avec n'importe quelle douche que j'achetais au supermarché. Je mettais n'importe quelle crème que je pouvais avoir. Je sais pas, quand on me demandait ma crème, je disais, mais vous voulez que je vous dise quoi en fait? Parce que c'est pas que je voulais pas donner, c'est juste que je change de crème à chaque fois. Dès que ça termine, je rachète une autre. Ça pouvait être divers, ça pouvait être n'importe quoi. Là, j'ai changé de routine. Du coup, on va commencer par se doucher avec ce gel douche à base de vitamine C. J'en ai tellement entendu parler. Nettoyant pour le corps à la vitamine C, éclat supérieur. Et c'est vraiment ça, genre, il me fallait de la vitamine C dans ma routine. Bref, je me douche avec ça. Je pense que ça fait
une semaine, 10 jours que j'utilise et je vois grave le résultat. Je vois grave le résultat. Ensuite, quand je termine, je vais venir utiliser ma crème de chez Garnier. C'est la Vitamine C Body Superfood. Bah, j'utilisais la... Comment elle s'appelle? La Jergens, qui est très très bien. J'utilise depuis toute petite. C'est juste que là, j'ai voulu tester celle-là parce que ma Jergens était terminée. Mais celle-ci aussi, je la trouve très bien. Là, ma peau a bien absorbé la crème. Et dernière étape, si vous voulez bien briller et tout, cette huile sèche sublimante de chez Petit Marseillais. Vous venez en mettre sur tout votre corps, mais là je peux pas vous montrer sur tout mon corps, je suis obligée de vous faire ça habillé. Cette huile, mais vous allez briller et puis elle sent bon. Quand je finis ma routine, j'ai envie de me manger. Et puis ça aide même à bien retenir le parfum. Regardez comment ma peau brille. Est-ce que vous voyez? Voilà. Je vous ai partagé toute ma routine. Par contre, je sais pas si on peut en mettre sur le visage, mais j'ai peur d'avoir le visage gras. Oh, on va éviter. On va éviter, on va éviter. On va éviter. Tant qu'on y est, je vais vous partager mon combo parfum aussi, que j'aime trop. Du coup, j'utilise le Black Opium comme ça. Ça, c'est mon combo de journée. Hein. Et par contre, je mets jamais un parfum. Je sais pas pourquoi, j'ai pas l'habitude. Et j'aime bien avoir une odeur particulière, genre. Et le Pink Sugar. Alors, celui-ci, si ma copine sait que j'ai partagé le secret, elle va me tuer, genre. Elle veut tellement gatekeep. Il est trop bien. Genre, si vous aimez les trucs un peu sucrés, gourmands et tout. Ce week-end, ma copine était à la maison. Elle m'a dit, mais ça sent trop. Elle a pris en photo le truc pour le racheter. Il coûte rien, il coûte 20€. Mais c'est parfait quand tu le mets par-dessus un parfum. Ça donne un truc genre, on a envie de te manger en fait. On dirait un bonbon. Voilà, t'es sucré, t'es... Ah. Du coup, voilà mon combo parfum. Du coup, voilà mes stars. Vous avez toute ma petite routine, beauté, corps, tout. Je vais aller vite préparer mon petit sac là. Je vais mettre un pyjama, brosse à dents, bref, des petits trucs tout bêtes. Et on peut déjà y aller. On va prendre la bubble tea et on va chez ma copine. Du coup, let's go. Mon sac est prêt, je peux y aller. Bonjour mes stars, j'espère que vous allez bien. J'ai super bien dormi. Il est en train de pleuvoir là. Oh la dinguerie, avec toutes les courses que j'ai à faire. Là je suis en train de me dépêcher, j'ai rendez-vous dans 10 minutes chez la Nail Tech. D'ailleurs j'ai fait mes ongles hier, bah, je vous ai montré. Et par contre les pieds je sais pas les faire seule. J'ai un rendez-vous dans 10 minutes pour les faire. Ensuite il faut que je passe à Sephora, que je m'achète mon fond de teint qui est quasi fini. Que j'aille à la pharmacie. Alors ma poudre aussi, il faut que je la rachète, ma poudre Huda. Je ferai elle les dépenses d'aujourd'hui là. Là, je m'apprête vite fait et on y va parce que je suis très très en retard. Et en fin de journée, je vais voir ma sœur. Du coup, voilà. Je suis prête. On est en no make-up aujourd'hui. Du coup, j'ai sorti mes grosses lunettes de soleil. J'ai mis un ensemble comme ça que je trouve très beau avec un petit sac blanc. Je mets mes petites chaussures blanches et puis c'est bon. Hein. Let's go. Camion de poubelle qui s'arrête et les deux écrits « Madame, vous êtes magnifique !» C'est un peu démenteur, parce que là, je ressens pas à grand-chose. Mais merci quand même. Bref, je suis arrivée à l'endroit où je fais mes ongles, je vais vous montrer. Merci, au revoir, à la prochaine. Ma pédicure est faite, mes pieds sont trop beaux. Je passe vite fait à la banque et on enchaîne au centre commercial. Je suis rentrée. J'ai reçu ce colis, je sais même pas ce que c'est. Normalement j'ai une collab chine qui devait arriver, mais on m'avait dit qu'elle allait prendre du retard, donc je pensais pas la recevoir. Oh non, c'est pas ma commande chine. Ok, je me rappelle. C'est une marque qui s'appelle Aliga.
qui m'a envoyé des tenues qui sont super jolies d'ailleurs. Mais c'est juste que j'espérais recevoir ma commande Shein avant de partir, quoi. Parce que c'est une collab et que quand je vais revenir, l'été sera fini. C'est une collab d'été. Ça me saoule. Ouh, j'aime trop. C'était un petit ensemble. Tac. Et, enfin, c'était deux ensembles même. Deux ensembles. J'espère que la jupe n'est pas transparente. Si, elle est transparente. Mais bon. J'aime trop. Bref, il faut déjà que je ressorte. Je vais prendre un bubble tea avec ma sœur. Parce que du coup, vu que je pars demain, on va pas se voir après ça. Donc, je prends un bubble tea avec elle. Et après, c'est tout. Hein. Je rentre, je finis les valises. Et à 6h du matin, je sors d'ici. Comme ça, j'arrive 4h avant à l'aéroport. Parce que je vous jure que Air Sénégal, là, j'ai trop peur. Avec les JO et tout, là, il y a des manifestations. Non, pas des manifestations, mais il y a des perturbations sur la route. Tout le monde m'a prévenu. À si pareil, il y aura des manifestations le jour de mon départ, c'est-à-dire demain. À partir de 15h, je crois que les avions sont plus autorisés à décoller. Genre, il y aura des perturbations. Eh, il y a trop de choses. Là, vraiment, je vous dis, je suis pas sereine. Tant que je suis pas assise dans l'avion et qu'on n'a pas décollé, je suis pas certaine que. Voilà. Mais bon, on fait confiance à Dieu. Inch'Allah, tout va bien se passer. Et puis voilà, je vais essayer ce petit ensemble-là et puis je vais enchaîner chez ma sœur. Juste après ça, j'ai pris le métro et direction le bubble tea. De toute façon, vous connaissez mon amour pour les bubble tea. J'étais trop contente de voir ma sœur. On s'était pas vu depuis son mariage en décembre. Du coup, j'étais trop heureuse. Après le bubble tea, on est passé à la Fnac et on s'est choisi un bon petit livre chacune. Juste après ça, j'ai fait mon petit dernier shopping et j'ai pris quelques petits articles, quelques petits hauts. J'ai pris aussi cette robe qui va apparaître tout de suite, qui était magnifique. Franchement, en or aussi, elle était incroyable, mais j'ai préféré en beige. Coucou mes stars, je suis rentrée, j'ai passé une très bonne journée avec ma sœur. Là, dès que je suis rentrée, j'ai attaqué les valises. Vous pouvez le voir là et là. Ça, c'est une série que je regarde en poulard, j'aime trop, genre vraiment j'aime trop. Faut savoir que moi, je suis 100% hal poulard, 100% pel. Et je parle quoi. Sauf que je voulais trop des séries 100% en poulard, juste pour m'améliorer, genre vraiment. Et du coup, franchement, cette série, elle est trop bien. Donc, pour toutes mes halpoulards, là, regardez-la. Celles qui ne comprennent pas du tout, vous pouvez regarder avec les sous-titres. Mais sachez que la série, elle est 100% en peul. Donc voilà, là, cette valise, elle est bouclée depuis hier. Et j'ai finalisé celle-ci. La fin de ce petit vlog, j'espère qu'il vous a plu, que ça vous a diverti, que vous avez aimé passer du temps avec moi. Je vous fais de gros bisous. Et la prochaine fois qu'on se voit, bah, ce sera à Dakar. Bisous.